Ce lundi, Marie Delatte est retournée sur les lieux de son enfance à l'école L'Anglais. Les enfants ont pu lui demander des dédicaces et, oh combien magique, pouvoir toucher la médaille olympique, la médaille de bronze gagnée à Pékin 2008. C'est avec beaucoup de fierté que les élèves ont pu poser avec la championne pour une photo souvenir. Alors, vous avez vu Marie Delatte? Oui. Quel effet ça fait de voir une championne olympique? Bah, oui. Ouais, on ressent des choses. Tu ressens des choses? Oui. Quel genre de choses? Bah, les choses qu'elle ressent. Et vous avez vu la médaille? Oui, on l'a même touchée. Alors, quand que commencer? Puis chaque classe a pu avoir la visite de Marie et lui poser des questions. Et ben le kayak, on est assis dans son bateau et on pagaie des deux côtés. Et tandis que le canoë, on est sur un genou et on pagaie que d'un côté. Et toi, qu'est-ce que t'en fais? Moi, je fais du kayak. Wow. Moi, je pagaie des deux côtés. Alors, allez, comment allait la médaille de Marie? Belle. Tu veux la prendre dans tes mains? Tu vas dire si elle est lourde. Elle est lourde? Un peu quand même. J'ai une question lourde. À propos de la médaille. À quel moment on réalise que on a eu la médaille de bronze? Quand on monte sur le podium et on l'a autour du cou. Avant, c'est... Non, avant, non. Tant qu'on n'est pas monté sur le podium et qu'on n'a pas eu la médaille, ça... on se dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et puis après, bah, dès qu'on l'a, on se dit bon, bah, c'est bon, elle est bien à toi, tu l'as autour de ton cou, c'est bon, elle est là. Et qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Bah, c'est surtout la concrétisation de tant d'années de travail et puis un rêve qui se réalise. C'est beaucoup plus fort que toutes les autres médailles. Ouais. C'est nettement plus fort. Ça n'a rien à voir du tout avec une autre médaille. C'est exceptionnel. La classe de cours préparatoire avait préparé une chanson, disons, de circonstance. Les